Yo tout le monde, c'est Kina, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu phénomène, un jeu qui m'a fait connaître aussi, Surgeon Simulator. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'opération sur Monsieur Martin, et vous avez été extrêmement nombreux à me dire « Kiki, s'il te plaît, fais les opérations de Monsieur Martin ». Donc du coup on va revenir sur ça. On était, alors je sais plus sur quoi on était, là j'ai repris la dernière game justement en date. On va voir, c'est vrai que j'avais fait une grande pause entre temps sur Surgeon Simulator, et je pense que j'avais trop règle dessus, et j'avais besoin de m'arrêter, de faire une pause pour apprécier de nouveau le jeu. Comme vous le savez, j'aime pas faire des vidéos si le concept me plaît pas ou si j'aime plus le jeu, parce que je me sens forcée et du coup automatiquement le contenu va être nul à chier. Donc on va se réoccuper de l'opération de Monsieur Martin. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que j'ai totalement oublié les touches. Ça va être une catastrophe. Donc on va faire reprendre ensemble, tous ensemble. Et... oh la vache. Ah ouais, avec la musique et tout. Réaliser une double greffe de rein. Alors attention. Alors... ah oui, c'était... oh merde, ça part mal. Ça part mal. Attendez, ça part mal. Monsieur Martin, attendez, Monsieur Martin. Monsieur Martin. Wouhou. Ne vous inquiétez... attends, c'est rien, c'est une porte. Je vous tiens, je tiens le masque, Monsieur Martin. Donc, alors... marteau. Where is the marteau? Voilà. Nickel. Bon. Alors... là, on va être sur une concentration de type pourri. Déjà, je tiens très mal le marteau. Ah. Oh. Attendez, il faudrait que j'arrive à choper le marteau. Merde. Attendez, Monsieur Martin. Ne paniquez pas. Ce n'est rien du tout. J'ai bien la situation en main, ne vous inquiétez pas. Bien évidemment, j'ai pris des vacances au Cap Mandou, Monsieur Martin. Mais ce n'est pas pour autant que ça va changer la qualité de mon travail. Ne paniquez pas, il perd un petit peu de sang, Monsieur Martin. Mais on va y arriver. Je vous rappelle que tous les épisodes sont tout le temps rythmés de poésie, de tristesse, et de suspense, les amis. Putain, j'arrive. Alors déjà, je tiens trop mal le marteau. Attendez. Tu vas voir qu'il va y avoir une porte au même moment. Non! Ok. Attendez, je me concentre. Voilà. Normalement, là, j'ai le marteau, ça va. Ah, là, on pourrait mettre des coups comme ça. Oui, alors, je suis concentré, effectivement. Comme je vous ai dit, j'ai pris des vacances au Cap Mandou. Enfin, le personnage qui incarne le chirurgien. Hein. Moi, je n'ai pas pris de vacances au Cap Mandou. Hein. Kiki ne part pas au Cap Mandou. Ouais. À la limite, en Islande, pourquoi pas, je ne dis pas. Si toi aussi, tu veux partir en Islande, mets un petit pouce bleu. Là-bas, je ne dis pas. Franchement, je rêverais d'y aller là-bas. Ça, ce sera un de mes rêves. Et je pense que c'est réalisable. Hein. L'Islande, c'est pas non plus comme si tu voulais aller aux États-Unis ou quoi. Donc, t'as moyen d'y aller. Surtout, c'est surtout pour le paysage. Moi, tellement j'adore le. Vous savez que je suis passionnée de photographie. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Parce que je fais beaucoup de photographies, justement. Et il y a beaucoup de photos sur Instagram. Alors. Putain, mais ça veut pas me casser, hein, cette merde. La meuf hyper violente. Ça pète pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça pète pas, Monsieur Martin. Monsieur Martin, fallait pas prendre de Actimel pour fortifier les os aussi, merde. Faites chier, Monsieur Martin. Oh, il perd du... on a du 6, là. C'est trop important. Bon, attendez, vous savez quoi? Ça dégage. On va essayer de récupérer une seringue. Une seringue, une seringue. Il me faut une seringue pour Monsieur Martin, vite. Une seringue, Michel. Vite, putain, on a une seringue, là. Ah, non, je me suis piqué. It's over, les amis, it's over. Est-ce que c'est la bonne en plus? Oh putain. Non! Non! Attendez. Ah! Je l'ai! Oh putain! Ma main! Ma main! Attendez! Je suis coincée! Oh mais merde, attendez, on va recommencer. Je suis coincée! Je suis bloquée! Bah oui, bah forcément, j'ai trop mangé au Cap Mandou, donc forcément. Ça joue pas mal, attendez, on va recommencer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis c'est tout, hein. Allez, pousse-toi, dégage. Voilà. Allez, c'est parti. Monsieur Martin, ne vous inquiétez pas. Tout va comme sur des roulettes. Et ce n'est pas pour faire un mauvais jeu de mots. Hein. Loin de... ah, là, je le tiens, mais regardez. Regardez ce doigté, là. Alors, attention. Alors, petit... ah, oh, merde. Petit coup. Petit coup. Il me faudrait une manette hein, spécialisée... ou carrément le fait qu'on puisse contrôler le jeu avec ses mains, vous savez, qui nous mettent des gants. Et tu peux contrôler avec tes mains le jeu. Là, j'aurais des doigts de fée, hein, les amis. Aïe!
J'aurais des doigts. J'ai mal pour Monsieur Martin. J'aurais des doigts de fée, les amis. Hein. Bah alors là, à la souris, bon courage. Hein. Alors, faut qu'on y aille doucement quand même. Hein. Voilà, là on est bien. On y va doucement. Non, merde. Doucement, 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 on a dit. Ah, et là, ça part bien, là. Là, les bouts de chicken, ça se détache. Et là, on n'est pas dégueulasse. Surtout que c'est ce qu'il y a au fond qu'il faut décoller. Qu'il faut décoller, tu sais. Alors aujourd'hui, atelier art plastique, on va décoller. Écoutez, je pense qu'on est bien, là. Hop. Là, on est bien. J'ai pas envie d'enlever plus. Vous savez quoi, Monsieur Martin? On va remettre ça là. Là, on est bien. Ah, c'est vrai que tout est fixé. Ah, c'est vrai qu'on ne peut pas enlever comme ça. Ah, par contre, il va falloir que j'enlève les morceaux. Alors, attendez. Est-ce qu'on a un scalpel? S'il vous plaît, Micheline. Scalpel. Micheline. Voilà. Bon, je prends. Dis-moi que j'ai le scalpel. Oh, cette précision d'orfèvre. Regardez-moi ça. Merde! Les crayons! Merde! Attendez. Oh là là! Oh, c'est Agivala Scream, là. Oh la vache! Alors, attendez, on se concentre, parce que là, je peux te dire comment geler le truc. Ah, je peux même pas cisailler comme ça. Attendez, je l'ai n'importe comment. What? Il est passé à travers! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est passé à travers. Attendez, attendez. Bon, attendez, le pot à crayon, Monsieur Martin. Si vous voulez faire du coloriage, je vous le laisse. Hein, je vous mets à côté de vous, bien évidemment. Non. Ah, là, là, là. Ok, là, on en a un. Non. Oh. Je respire. Non, 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 non. Ça se passe mal, les amis. Ça se passe mal. Ça se passe très mal. On est à 2 minutes 56. Monsieur Martin est en train de perdre un petit peu de sang. Il a un crayon dans l'abdomen. Bien évidemment que je vais enlever, Monsieur Martin, si vous voulez dessiner. Voilà. Tout est ici. Là, il me faut le scalpel. Putain. Oh là là, oh, comment je le tiens. On m'appelle Wolverine dans le métier. Vous voyez mes petites vacances au Cap Mandou m'ont fait attraper un doigté d'orfèvre. Alors attends, hop. On va couper. Alors attendez, concentration. Cette partie-ci, non. Oh là là. C'est pas le moment de jouer au con, Monsieur Martin. Votre vie en dépend. Alors, il va falloir que j'aille en biais. Oh, j'ai coupé. Nickel. Alors, attendez. Là, on a fait une incision. Ensuite, on a une autre à faire ici. Comment je vais y passer? Tu m'expliques? Je passerai par là. J'aime bien parce que j'ai trop l'impression que c'est de la 3D, le jeu, tu sais. Je suis hyper cons... Oula. Je bouge de gauche à droite, tu sais. Vous avez vu comment je tiens ça? Est-ce que vous avez vu? Ah, tu me diras là. Là. Nickel! C'est bon, on est à 4. Il faut couper aussi ici. J'ai jamais joué à Docteur Maboule, au fait. Je vous l'ai déjà dit ça. Yeah! On a décollé une partie. Oh putain! On a décollé une partie. On ne panique pas. On va redéposer ça là. On va attraper ça. On en fera une échelle. Monsieur Martin. Vous n'allez pas commencer, Monsieur Martin. Attendez. Hop. Voilà, une jolie écharpe pour Monsieur Martin autour du cou. Et impeccable. Ça, c'est beau, ça. Ah, on a une incision. Ah, mince. On a encore une autre incision à faire. Le cutter. Le cutter. Alors là, vu comment je le tiens pas. Là, il va tomber. La tasse, j'en ai rien à foutre. Non, elle est là où je veux. Attendez, c'est la merde. Correct. Aussi politiquement correct que la fourrure, j'ai débloqué. Monsieur Martin, si vous voulez boire un coup, n'hésitez pas. Comme je vous le dis, vous êtes ici chez vous, Monsieur Martin. Je pense que vous connaissez la politique de la maison à force de venir ici. Yes! On l'a. On l'a, on est bien, on est bien. On est bien, on respire. Putain, par contre, on va. J'ai peur qu'on manque de temps. Attendez.
On respire. Hop, une deuxième écharpe, monsieur Martin. Je sais que vous aimez ça. Hop. Comme ça, vous avez tout avec vous, au moins à portée de main, j'ai envie de vous dire. Moi, je suis quelqu'un de généreux comme ça dans la vie. Moi, j'aime bien. Ah, si monsieur Martin, il peut profiter un petit peu, partager. Bon. Ah oui, les haricots rouges, je les vois sur le côté. Les haricots rouges. Tu parles d'un chirurgien. Alors oui, vous voyez, on va faire l'ablation des haricots rouges juste ici. Bon, il faut un scalpel. Hop, non. Oh là là, vite, un scalpel. Martine, un scalpel. Là, scalpel. Oh, je l'ai. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. J'en chialerai. Ok, je vois la trompe. Alors là, par contre, on a du 5. Va falloir se calmer, je vous le dis. Là, je suis en train de le faire à l'œil nu. Hein. Ok, j'ai coupé la trompe. Par contre, là, ça devient la merde. Ok, j'ai coupé une oreille. J'ai pas encore coupé l'autre oreille. Je suis concentré, je suis concentré. Oh non, j'avais coupé l'autre. Non! Vite, vite, on a du 12, on a du 12. Vite, il faut la seringue, nom de Dieu. Oh merde. Vite. Vite, la seringue. Bordel de chiottes, la seringue. Oh là là, va falloir je... On va le perdre, on va le perdre. Il me faut la seringue de toute urgence, vite la seringue. Bordel de merde, la seringue. Elle est où? Il n'y a pas le seringue. Je panique. Je panique, monsieur Martin. Ne paniquez pas, monsieur Martin, vous inquiétez pas, ça va se passer pour le mieux. J'ai mon BTS chirurgien. Putain, j'ai plus la... Il n'y a pas la seringue pour le moment. Il me faut la seringue de toute urgence. Là. Oh putain. Il y a les trucs qui sont tombés. Non. Non, j'ai les doigts coincés. Oh non, ça recommence. Ok. Piqûre, vite. Oh, c'est encore pire, c'est pas la bonne seringue, putain. Oh, elle est là, la seringue. Il me faut la seringue pour monsieur Martin, bordel de merde. Il va crever, on va le perdre. On va le perdre sur une erreur bête. Oh, on va le perdre sur un truc con. Monsieur Martin, non, 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 on va le perdre. Mais putain, vite. Oh, c'est la panique. C'est la panique, les enfants. Oh non, c'est pas la bonne. Ça y est, c'est foutu. Merde. Merde, 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 fais chier. Oh, choqué, déçu, triste, choqué, déçu. Monsieur Martin. Monsieur Martin. J'ai envie de pleurer, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas dans mon regard, là. Vous avez des doutes? Je suis dégoûtée. Déçu. Choquée, déçue. Alors, attendez, on va retenter une autre greffe. Je ne lâcherai pas, monsieur Martin. C'est un bon client, déjà. Écoute, on va y aller. On va y aller au tomahawk, hein. Au moins, là, on est sûr. Bon. Faut faire en sorte qu'il ne perde pas de sang, en fait. C'est moi, à chaque fois, j'ai l'impression d'entendre un petit cri, genre un « Ah !» On essaye d'y aller doucement, tranquillement. Oh là là, oh là 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 là. Non, voilà, trop tard. Quatre, on est déjà à 4, c'est n'importe quoi. C'est pas facile, c'est en mouvement constant, le truc. Voilà, ça on s'en fout. Maintenant, on va essayer de stabiliser de nouveau. S'il vous plaît, j'aimerais stabiliser. On n'a rien pour stabiliser, super. Bon. Je vais prendre ça dans un... Non, non, bon. Bon, d'accord, j'ai compris, d'accord, merde. Ah là, la seringue. Non. La seringue, putain. C'est la merde. Autant je suis très... Là. Je m'en fous, je prends le pot avec moi. Oh non, je me suis piqué. Oh non. Bon. On va dire que dans un premier temps, déjà, réduire les dégâts. J'arrive pas à la prendre.
Comment ça se fait que j'arrive pas à la choper là? Tu m'expliques? Ah, puis là où elle est, c'est foutu, hein. Attendez, il y a peut-être moyen. Sauf que tu me diras, maintenant que je me suis piqué, on n'est plus à ça près. Attendez. Ah, je l'ai. Je l'ai. C'est bon, j'ai stoppé les saignements de Monsieur Martin. Tout va bien. Maintenant, il faudrait que je trouve l'autre aiguille pour me piquer. Hein. Allez là. Ah, c'est bon. Wouhou. Kiki the win. Kiki the win. Alors, attendez. Maintenant, on va prendre un scalpel. On fait les choses bien. Je vais l'attraper. Yes. On l'a. J'ai perdu ma montre. Monsieur, si vous voulez... C'est une petite montre, une petite Apple Watch, hein, pas dégueulasse si vous la voulez. Au moins, vous êtes à l'heure, monsieur, comme ça, monsieur Martin. Donc, alors. Par contre, là, vu comment je le tiens, je suis pas sûre de pouvoir faire... Faut que je fasse des incis... Mais non, j'ai déjà coupé. Je crois que j'ai déjà coupé. Non. Attendez, je le tiens trop mal. Faut que j'aille me concentrer un peu plus, là. Forcément, alors ça, les chirurgiens se payent des vacances au Cap Mandou, hein, ça y a pas de problème. Hein. Mais dès qu'il s'agit d'opérer Monsieur Martin, il n'y a plus personne, forcément. Ouh, ça va être la merde. Qu'est-ce que vous voulez que je coupe avec cette position de main? Là, je suis pas bien. Ça ne va pas. On va y aller à la scream, hein, j'ai envie de vous dire. Bah voilà, hop, nickel. Là on peut faire des bonnes petites incisions. Concentration. Hop. Un bout en moins. Deux bouts en moins. On est bien là, on est bien. On peut même avec un petit peu de chance faire celui-là qui est là-bas. On est à deux. On est à deux, c'est nickel. Attendez, je regarde si on n'a pas d'autres morceaux. Yes. Ça, on l'a décollé. On est à 3, là. Alors, on y va doucement. Piqûre. Là. Il y a la piqûre dedans. Non ! Putain ! J'ai pas le bon truc. Bon. C'est pas grave. Pour le moment, on gère. Monsieur Martin, un petit collier d'intestin. Ça vous fait pas de mal. Je sais que vous aimez bien ça. Vous êtes friand de ce type de choses. Vous savez, ça me fait plaisir. Dès que je peux faire des cadeaux, vous savez, à Noël... Vous n'avez pas vu ce que j'offre encore, Monsieur Martin, hein. La verte, seringue verte. Je l'ai. Yes, là, on est bien. On va même la poser, là, vous savez quoi? Comme ça, en cas de problème, on est bien. Bon, le gobelet, Monsieur Martin, si vous avez soif, comme à mon habitude, hein, hop, je vous le propose, ce n'est pas dégueulasse. Donc... Déjà, on va essayer d'enlever un petit peu tout ce qui traîne là-dedans. Parce que moi, je veux bien jouer à Docteur Maboule, mais il y a des limites. Alors, hop, voilà, ça, la montre. Monsieur Martin, c'est un cadeau. Je vous la mets ici. Ah, elle est où? Elle est retombée? Non, on me dit pas qu'elle est tombée dedans, puisque l'air con. L'air con, elle est où la montre? Merde, j'ai oublié dans Monsieur Martin. Bon, ben, on le réouvre. Hein. Merde, j'ai déjà vu des trucs comme ça, où t'avais des opérations, où des gens avaient laissé des... Bah, des trucs dans les personnes, hein. C'est chaud, quand même. Je connais des gens à qui c'est arrivé. C'est grave chaud. Bon. Hein. Ça, j'arrive pas à y accéder pour le moment. Monsieur Martin, votre écharpe en peau de couille, là. On va la mettre ici. Voilà. Là. Scream, comme d'habitude. N'empêche, ça marche bien, regardez. Voilà. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas du travail d'orfèvre, moi, je ne sais plus. Regardez, je pars au Cap Mandou, je reviens, mais avec des mains. Regardez-moi ça, une finesse, une élégance. Incroyable. Je sais, alors, bien évidemment, vous êtes nombreux dans les messages à me dire, Kiki, si je viens me faire opérer, je vais pas me faire opérer partout. Hein. Déjà, je le prends très mal. Je le prends très très mal, les amis. Hein. Parce que c'est un honneur de se faire opérer par Kiki. Un honneur, les amis. Regardez, regarde-moi ça. Moi, je tire ça comme ça, bam, ça dégage. Voilà, donc là maintenant faut couper les petites oreilles.
Alors attendez, concentration. On rappelle que Monsieur Martin est à zéro, il ne perd pas de sang pour le moment, il est très bien. Donc là, je suis pas sûr que j'ai la meilleure. Oula. Doucement. Nickel. On va tenter d'y aller à l'aveugle. À l'aveugle. Non. Je vois rien. Je vois rien, du coup je fais des bêtises. Ça c'est pas bien, Kiki. On va essayer de récupérer la seringue qu'on avait mis juste ici. Du coup, ce qui va pas du tout être facile, hein, finalement. Non, ça va être la grosse merde de récupérer cette seringue. Est-ce qu'on a une... Oh. Eh. Je l'ai. Hop, une piqûre. Par contre, on... faut qu'on... On repasse à zéro. On passe pas à zéro, là? Bon. C'est pas grave, monsieur Martin. On ne panique pas. Elle est bien, là. Elle est bien, là, l'aiguille, comme je l'ai mis. Ah, voilà. Position scream. Et là, du coup, je vais bien couper. Vous allez voir. Regardez. Voilà. Si ça, c'est pas nickel. On enlève. On va repiquer un coup, monsieur Martin. Encore au niveau des sinus, bien évidemment. On enlève les petites oreilles. Je sais pas pourquoi j'appelle ça des oreilles. C'est complètement con. Allez. Monsieur Martin, vous allez pas... Ah non, il est encore attaché. Autant pour moi, je l'avais pas vu. On y va comme ça. Alors attendez. Voilà. Et là, si c'est pas beau, on est tranquille, sans coupure pour le moment, on a une vingtaine de minutes, on est bien. Par contre là, il va falloir que je pousse cette... Il faut que je pousse cette merde. Je suis pas folle, je l'ai bien coupé là. Attendez, je suis concentrée. Et je l'ai bien enlevé. Il pleut et tout dans l'hôpital, quoi. Il me faut un truc pour le pousser. Ah, la cuillère. Donnez-moi cette putain de cuillère. Oh, regardez du bout des doigts. Regardez-moi ça. Oh là là, ce travail. Mais maqué. Il me fait rire quand il tient comme ça. Bon, alors attendez. Parce que là... Ah, moi j'y vais à la cuillère. Ah bah vous savez à quoi ça fait penser? Un gros haricot rouge. Voilà à quoi ça me fait penser. Bon, la cuillère on va la laisser là. Parce que peut-être que par la suite on aura un petit creux, monsieur Martin, n'est-ce pas? Hop. J'arrive pas à l'attraper, hein. Oh, j'étais presque. J'étais presque, les amis. Oh, je vais y arriver. Bon, vous savez quoi? On va déjà en mettre une. Peut-être qu'on aura le temps de prendre la deuxième. J'ai la boîte! J'ai la boîte! Bon, j'ai mis ça comme ça. Attends, on sait jamais. Peut-être que si je lui laisse une oreille de plus, on va avoir des bonus. Vous avez laissé une oreille supplémentaire. Merde. Ça ne va pas. Ah là, par contre... On essaie de pousser un petit peu, hein. Oh! Opération réussie, tout a l'air d'aller, il va survivre. Volume 200 final, 2877. Durée de l'opération, 11 minutes 12. C'est en 11 minutes 12 sur cette nouvelle partie qu'on a opéré, monsieur Martin. Une vingtaine de minutes, du coup, dans cette vidéo. Je suis heureuse. Monsieur Martin va... Oh là là, mais qu'est-ce que... Je suis heureuse, les amis. Prochaine opération, du coup, on va regarder, on va cliquer dessus pour voir comment ça va se passer. Ce sera l'opération du cerveau. Faites voir, je veux juste regarder. Ça va se passer comme ça. Ça va être un truc de malade. Les gars, sortez le tube de colle, les stylos,
ça va être rock'n'roll pour ce prochain épisode avec Monsieur Martin. Et c'est hyper rock'n'roll. T'as la chaise qui roule et tout en marche arrière. Sûrement, il doit avoir un système de fusée à l'arrière, tu vois, qui le tracte. Et c'est excellent. Oh là là, on va lui faire péter ça, la scie sauteuse et tout. Bon, les copains, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Surgeon Simulator. J'espère tout cœur qu'elle vous aura plu. J'ai shooté dans le micro, super. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça a été le cas. Ça m'aide à savoir si vous ou non vous voulez une suite. Moi, ça m'a fait super plaisir de revenir sur Surgeon. En plus, on a réussi à opérer Monsieur Martin. Et je crois que dans mes souvenirs, j'avais pas réussi à l'opérer dans l'ancien épisode. Comme d'habitude, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Donc, du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.